那你有爸爸 <music> <music> Mama Rebecca, sois béni Nous avons été coupés Comme chaque jour On nous coupe, on nous coupe, on nous remet On ne prend plus rien, moi oui. reconnaissez vous C'est <laughs> devenu une habitude maintenant On nous coupe, on nous remet On ne prend plus rien, moi aiealom reconnaîte vous les le généme ces commeça aveco e pase réseau

mon fils, Jacques Poissy, sois béni. Sois béni, connaissez, vous partagez. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour, c'est un jour de résistance. C'est un jour d'action de grâce. Mon fils, si prière prière, sois béni. C'est un jour de joie, un jour de résistance. Amen. Mon béni le Seigneur qui nous a donné la force de pouvoir jeûner pendant 40 jours. Nous avons jeûné pendant 40 jours, nous avons la victoire, aujourd'hui c'est de le dernier jour, Alléluia, et nous sommes là ce matin pour bénir le Seigneur, nous sommes là ce matin pour bénir et le soir, à 18h, à 16h nous allons revenir, à 16h pour clôturer notre jeûne, on va manger ensemble, Amen, nous allons prendre la communion ensemble, pou remercier le seigneur alléluiao à, à 11 de paris 15 d'abidjan o serons connectés de couper les jeunes ensemble dans l'amour de dieu ah, le segeur est merveilleux bien-aé Il est le Seigneur de gloire, nous l'adorons ce matin. <médicatrice> oh Yahweh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, moi je vais louer. Je que Dieu soit loué ce matin. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Satan terrassé. Oh yeah. Loué que Dieu soit. Que Dieu soit loué, bien aimé. Alléluia. Loue le Seigneur, élève ta voix ce matin. Bénis le Seigneur, il est Dieu, de gloire. Alléluia. Il est le grand roi, il est le grand roi, il est le grand roi. maman, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé le Seigneur. Élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons le, le roi des gloires, élevons l'éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui dit et personne ne peut s'y opposer, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Élève-le, élève-le ce matin Alléluia élève le Seigneur, élève le Seigneur, éleve-le Seigneur. Seigneur Il est Dieu, il est vivant, il est tout puissant, il est le roi des rois Il nous donne la victoire, il nous donne la paix Commence à l'élever, commence à le célébrer Alléluia, merci Seigneur Dieu la victoire. la victoire, la victoire, la victoire, la victoire Alléluia Oh yes Amen Oh, oh Eh, eh La puissance de Dieu qui descend ce matin sur toi la puissance de Dieu descend maintenant. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Ça descend. Oh yes, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous voulons te lever ce matin. De préparer, thời, te célébrer, t'adorer, te magnifier. Car tu es Dieu. Merci, Papa. Oh yes. Il descend ce matin sur <cryn> toi. La gloire de Dieu descend maintenant. La gloire de Dieu descend. 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 Oh yes. 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 Oh yeah. Jésus. Il est le roi des rois, hein? Il est le Seigneur, le Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. On est béni, on chante de rythme. Hein? On chante de rythme. On chante de rythme. Oh j'aime le Seigneur. Yes. Oh. bien aimé, on chante de rythme. Hmm. Hey yes. mm -hmm. Ah oui, le wi ça tourne, ça balance, ça tourne, ça cherche, ça tourne, ça balance, ça tourne. Alléluia, nous sommes dans la joie ce matin. Je suis dans la joie, bien-aimé, parce que nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu le pouvoir des ténèbres. Nous avons vaincu la puissance de Satan. La puissance mystique, maléfique et satanique. La puissance de l'opposition qui a tout fait, qui a tout fait. Bien-aimé, depuis nous avons commencé notre programme de jeûne. Ils ont commencé à m'attaquer avec la wifi. Alléluia. Depuis plus de un mois, je n'ai plus de wifi. Si tu peux savoir comment est-ce que je jongle le matin pour faire le direct, ça fait pitié. Mais je dis, je ne laisse pas la place à l'ennemi. Nous allons faire jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous sommes à la fin. Amen. L'ennemi a tout fait. Il a essayé par tous les moyens. Parce qu'il y a tellement de témoignages. Amen. Mais notre Dieu est plus que vainqueur. Notre Dieu est Seigneur. Amen. C'est pourquoi ce matin nous sommes là encore pour lui dire merci. Nous ne sommes pas là pour demander, nous ne sommes pas là pour quoi que ce soit. Nous sommes là pour dire merci à l'Éternel. Nous sommes là pour dire qu'il est Dieu et qu'il est vivant. Alléluia. Nous sommes là pour lui dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est bon comme ça. Et là, ta voix, commence à le bénir. Et là, ta voix, commence à lui dire, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'aime. Parce que tu m'as donné la force de pouvoir faire ces 40 jours. Amen. Même si tu as fait 10 jours, même si tu as fait 5 jours. C'est bon. Amen. L'essentiel que tu as jeûné. Amen. Mais ceux qui ont fait 40 jours encore, c'est meilleur. C'est bien. Amen. Vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu les œuvres de la chair. Amen. Vous avez vaincu les œuvres de la chair. Parce que l'ennemi a trompé beaucoup de personnes. L'ennemi a combattu beaucoup de personnes. bien aimé. c'est ce que je suis en train de vous enseigner sur le brisement. Amen. Et faites-vous le plaisir de réserver votre livre sur le brisement. Bien Monsieur, si tu as compris ce que c'est que le brisement, tu vas être une servante de Dieu accomplie. Amen. Parce que nous devons être accomplis en lui. Tant que tu n'es pas, pas accompli en lui, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité. Tu aimes le Seigneur, tu veux servir Dieu, c'est bon. Mais si tu n'es pas brisé, si les yeux les du moi ne sont pas partis tu ne peux pas être accompli en lui. Tu vas travailler, mais tu travailleras pour toi-même. Tu vas servir Dieu, mais tu vas servir Dieu pour toi-même. Tu ne sers pas Dieu pour Dieu lui-même. Et Dieu ne te connaît pas. Et nous voyons dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, il a dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Amen. Il dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mais moi je ne le connais pas. Plusieurs viendront me dire, Seigneur, je fais ceci. Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'ai guéri les malades. Seigneur, j'ai prêché. Des milliers de personnes se sont converties. Seigneur, quand j'ai prêché comme ça, je voyais Satan tomber du ciel. Il va dit, oui, c'est bien. Satan est tombé du ciel. Mais malheureusement, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Malheureusement, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Amen. Il dit, je vous dirai, je ne vous connais point. Amen. Ça fait mal, ça choque. Mais bien aimé, il faut la vérité. Pour que toi et moi, notre vie puisse être changée. Il nous faut la vérité pour que nous soyons transformés. Il nous faut la vérité pour que nous soyons gagnés à Christ. Il nous faut la vérité pour que nous puissions aller là où Dieu veut que nous ayons. Ce n'est pas là où tu veux aller. Ce n'est pas là où tu veux plaire aux hommes. Amen, bien-aimés, quand nous avons commencé notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, je ne dis pas en tant que chrétien, mais lorsque nous avons commencé, en tant que serviteur de Dieu, bien-aimés, on faisait ce qu'on pensait, on faisait ce qu'on croyait bien faire. Alléluia. Pour nous, on servait Dieu. On ne servait pas Dieu. On se servait nous-mêmes. On servait la chair. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu, croient qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. C'est vrai. Ils ne servent pas Dieu. Ça fait mal à, à, à l'entendre. Mais c'est la stricte vérité. On croyait qu'on servait Dieu. Mais on ne se, servait pas Dieu. Bien aimé, pour servir Dieu, il y a trois critères. Amen. Il y a trois critères pour servir Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne servons pas Dieu. Parce que est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à le servir? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à le servir? D'abord, nous allons commencer par là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à faire le travail que tu fais? Mais nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu. Être serviteur de Dieu est différent de homme de Dieu. Amen. Le serviteur est différent de homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent pour devenir homme de Dieu. Beaucoup se lèvent pour devenir servant, euh, euh, femme de Dieu. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a appelé à devenir femme de Dieu? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous appelés à faire le travail de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu à l'église, oui. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Tout le monde est appelé à être servant de Dieu et serviteur de Dieu. Mais tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tout le monde n'est pas femme de Dieu. Amen. N'est pas femme de Dieu. Beaucoup de personnes se sont levées pour aller au ministère. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à aller au ministère? Peut-être que toi tu devais être un comptable. Un bon comptable. Mais tu es parti au ministère parce que tu as vu tes frères, tu as vu des personnes être au ministère. Et tu te dis que aller au ministère, c'est bon. Ça, c'est le manque de brisement. C'est le manque de brisement. Quand nous allons entrer dans l'enseignement sur le brisement, vous allez comprendre. Amen. Peut-être que ce que tu es en train de faire, soit disant que tu sais Dieu, tu vas arrêter. Soit disant que tu es pasteur, tu es ceci, tu vas arrêter. Bien-aimé. Le fait de faire un travail pour Dieu, alors que Dieu ne t'a pas appelé, c'est le manque de brisement. Chacun doit demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse Seigneur, que veux-tu Ça, c'est l'humilité. L'humilité, tu fais la volonté de Dieu, je vous ai dit. Celui que Dieu envoie et qui n'est pas capable de dire, oui, Seigneur, je m'en vais. C'est que tu es une personne non brisée. Quelqu'un qui est brisé, il ne peut jamais refuser ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Beaucoup de personnes ont choisi de faire eux-mêmes ce ils pensent bien faire. Beaucoup de personnes se sont levées pour aller, faire des choses. Alors que Dieu n'est pas dans ça. Amen. Nous devons toujours faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ça, c'est le premier pas vers l'humilité. Le premier pas vers l'humilité, c'est de mourir en toi-même. Je vous ai donné la référence biblique qui nous parle de l'humilité. Jean chapitre 12, verset 24. Il faut mourir en soi-même. Mourir en soi-même veut dire, tu n'as plus ta volonté. Tu ne peux rien faire de toi-même. Mais tu te laisses conduire, tu te laisses guider. Il faut voir la vie des apôtres. Il dit, je vais là où je n'ai pas envie d'aller. Parce que ce n'est pas lui-même, c'est Dieu qui le conduit. Lisez un peu la vie de Paul. Paul savait que là où il allait, il y avait un danger. Mais parce qu'il fallait qu'il y aille, il est parti. Parce que Paul ne faisait plus sa volonté. Paul se laissait conduire et diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Une personne brisée est une personne où le moi est mort. Le moi, moi je fais ceci, moi je fais cela. Une personne brisée, elle ne fait pas les choses pour plaire aux hommes, mais elle fait tout pour plaire à Dieu. Une personne brisée ne cherche pas à l'homme, ne cherche pas que l'homme puisse l'apprécier. Même si l'homme n'apprécie pas ce qu'elle fait et que Dieu apprécie, c'est le plus important. Une personne brisée ne cherche pas la multitude, mais elle cherche seulement à plaire à celui-là même qui l'a enroulé. Une personne brisée ne cherche pas à aller là où elle choisit bon de partir. Mais une personne brisée demande à Dieu de le conduire et de le diriger. Bien-aimé, est-ce que tu es à la bonne place Est-ce que tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé es-tu à la bonne place? Es-tu à la bonne place? Fais-tu ce que Dieu t'a demandé de faire? Je crois et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas à leur place. Beaucoup d'enfants de Dieu font ce qu'ils veulent faire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Bien-aimé, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu es disqualifié. Même si ce que tu fais est bon, mais ça ne plaît pas à Dieu. Nous devons toujours faire ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu peut ne pas être agréable à toi ou aux hommes. Mais c'est Dieu qui approuve les voies d'un homme. C'est Dieu qui qualifie un homme. Alléluia! Une personne brisée doit toujours chercher à, à faire la volonté de Dieu. Une personne brisée matin et midi et soir, elle est devant le trône de gloire. Seigneur, que puis-je faire? Seigneur, où dois-je aller? Une personne brisée ne cherche pas à faire sa volonté. Une personne brisée ne cherche pas à faire ce qu'elle veut. Mais une personne brisée est soumise à la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Une personne brisée ne cherche pas à plaire aux hommes. Les hommes peuvent te désavouer. Les hommes peuvent te critiquer. Mais si ce que tu fais à l'éternel c'est le plus important alléluia soyons ces hommes brisés soyons ces femmes brisées oh alléluia ce matin alléluia comment ça a béni le Seigneur commence à béni le Seigneur Béni le Seigneur. Béni le Seigneur. Béni le Seigneur. Alléluia. Béni le Seigneur. Élève ta voix. Béni le Seigneur. Je te laisse le temps de bénir le Seigneur. 美丽声音。Hey, Commence à bénir le Seigneur. Comment à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Oui. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Homme de Dieu, le révérend Jér Jérémie Ngoran, soit béni. Soit béni, homme de Dieu. Homme frère, homme fils. Sois béni, mon révérend. Jérémie Ngoran, tu es béni. Toutes mes condoléances pour notre chère maman qui est partie, qui nous a dévancés auprès du Père. Notre chère maman qui nous a toujours soutenus dans l'œuvre. Notre chère maman qui était toujours là pour nous. Notre chère maman qui a cru à nous. Qui a cru à notre appel. Notre chère maman qui a cru à notre ministère qui était toujours là pour nous, à nous soutenir à tout moment. Elle était là pour nous. Elle était là pour nous soutenir dans l'œuvre. Elle nous a jamais fait défaut. À tout moment, notre chère maman était là. Elle nous a dévancé auprès du Père. Nous disons merci au Seigneur pour sa vie. Nous disons merci au Seigneur pour ce que Dieu a fait avec sa vie. Amen. Aujourd'hui, elle est auprès du Père. Et nous sommes dans la joie, c'est vrai. Mais nous croyons qu'elle est auprès du Père. Elle nous a seulement devancé. Condoléances à toi, cher révérend Jérémie Grand. Que le Seigneur te, te soutienne. Que le Seigneur essuie tes lames. Alléluia. Shalom là-bas à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Alléluia. Bien-aimé, es-tu à la bonne place? Es-tu à la place que le Seigneur veut pour toi? Bien-aimé, comme je vous disais, lorsque nous avons commencé notre vie spirituelle, lorsqu'on a commencé à servir Dieu, ce n'est pas que nous sommes des bébés spirituels, non. On était des serviteurs. Cela veut dire qu'on faisait quelque chose à l'église en tant que responsable. On a commencé à être zélés. On a commencé, mais nous avons vu plus tard, lorsque nous avons été dans une autre assemblée, et lorsque nous avons commencé à être enseignés, on a vu que tout ce qu'on croyait faire pour Dieu, on ne faisait pas pour Dieu. On le faisait pour nous-mêmes. Et là, nous nous sommes prosternés et nous avons commencé à demander pardon à Dieu. Amen. Souvent, on croit servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Souvent, tu as une place. Mais ce n'est pas là que Dieu veut que tu sois. Il faut que tu sois à la place que Dieu veut que tu sois. Amen. Il faut que tu sois à la place que Dieu veut que tu sois. Il ne faut pas être là où tu veux que tu sois. Il ne faut pas être là où l'homme veut que tu sois. Souvent, nous, souvent, les hommes. Souvent par notre intérêt, nous allons là où les gens nous proposent d'aller. Non, ma soeur, il faut prier, Seigneur, où veux-tu que je sois? Où veux-tu que je sois? Où veux-tu que je sois? Bien-aimé, si tu n'es pas à la place selon Dieu, tout ce que tu fais là-bas comme miracle, comme prodige, Dieu n'est pas dans ça. Alléluia, j'ai un livre que je vends. Je vais te conseiller la direction divine. Connaître la direction divine de Dieu. Il faut, il faut vous procurer des livres. Pour vous enseigner, pour vous former, il faut vous procurer des bons ouvrages, des grands hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui ont eu de l'expérience, qui ont, qui ont mis ça sur papier. Il faut vous procurer de tous ces livres-là si vous voulez vraiment avancer avec Dieu. Parce que dans ton église là-bas, ton pasteur, il ne pourra pas tout enseigner. Amen. Tu ne pourras pas tout recevoir. Ton pasteur ne pourra pas tout te donner. Certainement même qu'il y a des choses que ton pasteur ne connaît pas, que toi-même tu connais. Alléluia. Nous devons être curieux. Nous devons aimer lire. Mais la lecture, ça cultive. La lecture, ça développe l'intelligence. Lorsque vous lisez, ça vous rend intelligent. Amen. Beaucoup d'Africains, les Africains n'aiment pas lire. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux cacher l'argent, il faut le mettre dans un livre. Amen. Même la Bible, même que certaines personnes ont, elles ne lisent pas la Bible. Il faut lire, maman. La, la lecture, ça cultive. La lecture, ça ouvre l'intelligence. Alléluia. Ça te permet de comprendre. Dans ce livre-là, la direction divine, l'homme de Dieu va commencer à enseigner ce que c'est que la direction divine. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qui sont devenus pasteurs alors qu'ils devaient devenir des banquiers. Ce monsieur devait être un bon banquier. Mais il est devenu pasteur. Il a raté sa vocation. Il y a des gens qui devaient devenir pasteurs. Mais ils sont devenus maintenant avocats. Ils sont des piètres avocats parce que leur ministère, c'était être pasteur. Donc nous devons connaître notre direction. Nous devons être là où Dieu veut que je sois. Mais, non, mais si tu fais le travail pour lequel Dieu t'a appelé, tu seras efficace. Amen. Tu seras efficace. Mais quand tu es là où Dieu ne t'a pas appelé, et que toi-même, tu t'es invité. Alors c'est ta chair qui travaille. C'est le moi qui travaille. C'est l'orgueil qui travaille. Et tu as des problèmes. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Tu es agréable à toi-même. Mais à Dieu, tu n'es pas agréable. Mais, non, mais il faut être là où Dieu veut que tu sois. Et il y a un temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Souvent, les gens n'attendent pas le temps de Dieu. Amen. Souvent, les gens sont pressés. Quand ils sentent un petit appel, au lieu d'attendre le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu qui est, qui est bon. J'ai une fille spirituelle. Amen. J'ai une fille spirituelle. Elle a eu des problèmes comme ça. Cette fille spirituelle a été pressée pour se lancer dans l'œuvre de Dieu. À peine consacrée. À peine cette fille spirituelle-là. C'est lancée dans l'œuvre de Dieu. Or, elle n'avait pas une bonne base. Elle n'avait même pas de base. Elle n'avait rien comme base. Elle n'était même pas baptisée. C'est le jour de la consécration là qu'on l'a baptisée. Donc, à peine lancée dans l'eau, elle a voulu aller servir Dieu. Elle a eu des attaques, pas possibles. Elle a eu des attaques pas possibles. Amen. Elle a failli perdre la vie. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a un moment où tu dois te mettre quelque part pour être formé, pour être enseigné auprès d'un homme de Dieu. Mais les gens, ils sont pressés. Bien-aimés, ça aussi, c'est de l'orgueil. Une personne qui est brisée est une personne qui est soumise à une autorité. Nous avons vu Élisée était avec Élie. Élisée ne s'est pas fait lui-même. Lorsque Élie l'a appelé, a jeté son manteau sur lui, il est venu. Il a travaillé avec Élie. Mais quand vous lisez son, 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 le livre, vous comprendrez. Il était attaché à Élie. À aucun moment, il ne s'est détaché de Eli. Même quand Élie lui disait Vas-y. Vas-y. Il dit non, je ne peux pas me séparer de toi. Bien-aimé, pour avoir l'onction, pour travailler comme ton maître, il faut être attaché. Mais beaucoup de personnes ne sont pas attachées, n'ont même pas de maître. Ils quittent là seulement, ils veulent devenir maître. Bien-aimé, si toi tu n'es pas maître, tu n'es pas élève, tu n'es pas au service de quelqu'un, comment tu vas devenir patron? D'abord, avant de devenir maître, il faut devenir disciple. Mais quand tu n'es disciple de personne, aucune personne n'a un témoignage de toi. Ça, c'est le manque de brisement. Est-ce que j'aide une personne Est-ce que j'aide une personne Tu n'as pas de brisement. Parce que quand tu te lèves comme ça et puis tu viens te faire toi-même, aucun homme de Dieu ne peut donner un témoignage de toi. Aucun homme de Dieu ne peut témoigner de toi. C'est un manque de brisement. Est-ce que tu es là ce matin? Et que tu es concerné? Dieu ne parle pas en vain. Tu t'es levé toi-même, toi-même tu, tu as commencé. Non. Il te faut un temps de préparation. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas préparés. Ils se sont jetés dans l'œuvre comme ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils ont des problèmes. Il n'y a pas eu le brisement. Il n'y a pas eu un travail qui a été fait en toi. Il faut que, il faut que Dieu fasse le travail en toi. Bien-aimés, nous nous sommes jetés comme ça. On était à l'église. On faisait des choses. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais comme les gens voulaient nous utiliser, ils nous ont laissé faire. Et on le faisait mais mal. On le faisait avec orgueil. On le faisait avec. Euh, à, à, vraiment, on le faisait mal. Il n'y avait pas de brisement, il n'y avait rien. On était rempli d'orgueil. On était en but de nous-mêmes. On faisait les choses avec colère, avec violence, avec barga, Et on, on détruisait le corps de Christ. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, le Seigneur nous a enseignées. On a compris que nous avons passé notre temps à détruire plutôt que de construire. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui détruisent le, le peuple de Dieu. Au lieu de bâtir, nous devons bâtir. Mais au lieu de bâtir, nous détruisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent plus aller à l'église. Parce qu'il y a des dérives à l'église. Il y a tellement de dérives qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas Comment est-ce que j'ai vu sur Facebook un, 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 je ne sais pas, un, un monsieur qui s'est dit, je ne sais pas, un, un pasta au Ghana. Il demande pour délivrer les gens. Les gens enlèvent leurs cilupes. Vous comprenez des dérives. Les gens, les vieilles femmes-là, elles enlèvent leurs Il est arrêté là, devant le monde là-bas qui est assis. Et les femmes-là enlèvent leurs silipe les femmes enlèvent leurs cilips et lui maintenant il prend sa main, il s'abaisse en bas d'elle. Mais ça veut dire quoi? hein Mais quand tu vois des choses comme ça, tu n'as même plus envie de mettre ton pied à l'église. Mais est-ce que cet homme-là, il sort d'où? Cet homme-là, il sort de quel... Il sort d'où? Cet homme-là, il s'est levé lui-même. Il a été voir un féticheur marabout. On lui a donné le pouvoir, et puis il est venu s'arrêter là. En le faisant, les gens, ils vont, ils ont les témoignage. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as le témoignage que ça vient de Dieu. Amen. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Tout miracle ne vient pas de Dieu, et des miracles ne viennent pas de Dieu, même pas. Le monsieur, il a arrêté comme ça, c'est sur Facebook. Et les vieilles femmes l'enlèvent leurs slip. Et ils prennent l'eau, ils regardent en bas, il met la main en bas dans leur sexe. Et puis elles sont là, elles tremblent. Elles tombent en transe. Elles tombent en transe. Bien aimé. C'est satanique, c'est démoniaque. Mais pourquoi tout cela? Parce que les gens ne sont pas appelés. Eux-mêmes, ils se sont levés pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils ont compris que les gens sont des ignorants dans l'église. Dans ils ont compris que les gens ont tellement de problèmes. Les gens ont tellement de problèmes qu'on va n'importe où. On se donne à n'importe qui. On confie notre tête, notre corps à n'importe qui. Bien aimé, cet homme-là, il a commencé à mettre la main dans les syllips des femmes. Amen. Il met la tête même en bas des femmes, en pleine église. Et les gens disent, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, viens notre aide. Shalom à toi, Maman Mams Béni. Shalom à toi, mon fils Franck Armel Quadio. Shalom à toi, Amen, prophétesse Maman Julie Garnier. Shalom à toi, mon fils Koudou Jean-François. Maman Gislaine Rigaud, shalom à toi. Soyez bénis ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est déplorable. Quand nous voyons cela, c'est-à-dire que les gens ne sont plus à leur place. Les gens ne font plus ce que Dieu veut qu'ils fassent. Les gens travaillent pour leur propre ventre. Et tout ça, c'est le manque de brisement. Le manque de brisement, bien-aimé. Quand tu n'as pas le brisement, tu fais ce que toi-même tu penses croire être bien. Même si quelqu'un va venir te dire Ma soeur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Tu vas dire oui. Moi aussi, Dieu me parle. Moi aussi, Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle. Alors que ce que tu fais, ça n'est pas de Dieu. C'est un manque de brisement. C'est un manque de brisement. Lorsque tu fais quelque chose et que quelqu'un vient te reprendre, au lieu de t'arrêter d'examiner ce que tu es en train de faire, mais tu dis non, moi aussi, Dieu me parle. C'est un manque de brisement. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, qui manquent de brisement. Bien-aimés, le brisement, c'est le premier signe de l'humilité. Amen. Une personne qui est brisée, une personne qui est humble. Bien-aimés, on voit la grandeur de Dieu en lui. Si tu veux être utilisé par le Seigneur, passe par le chemin du brisement. Amen. Si tu veux être utilisé par le Seigneur, Ma soeur, passe par le chemin du brisement. Le brisement est douloureux. Amen, parce que c'est ta chair qui va être touchée. C'est ton moi qui va être touché. Oh, beaucoup de personnes, on ne peut pas toucher à leur moi. Quand tu commences à toucher à leur moi, tu as des problèmes. Ah non. Moi, tu peux tout faire, mais moi, non. Moi, moi, moi. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes là, moi, tu ne peux pas toucher. Oh, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Jean, vers, Jean 12, verset 24. Verset 24 maman, Maman, c'est béni. Elle dit, je confirme et je valide, maman. Il faut passer par le brisement. Si tu veux être utile à Dieu, passe par le chemin du brisement. Amen. Si tu veux être utile à Dieu, passe par le chemin du brisement. Bien-aimé, le brisement élève. Bien-aimé, nous voyons dans le livre, Dieu dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Pour être élevé, il faut s'abaisser. Pour être élevé, il faut s'abaisser. Bien-aimé, l'abaissement veut dire, tu es en bas. Tu laves les pieds des uns et des autres. Quand tu t'abaisses, tu lèves, tu laves les pieds. C'est pourquoi Jésus a donné, bien aimé, il a donné l'exemple. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Ça veut dire, quand toi, tu vas laver le pied de l'autre, ça te permettra d'être élevé. Mais si toi, tu ne veux pas laver le pied, comment tu vas être élevé? Jésus même, qui est Jésus, il a la lavé les pieds des disciples. Il leur a montré l'exemple. Comment est-ce que tu vas faire pour être élevé? « Et Jésus a été élevé, car il s'est humilié, il s'est rabaissé jusqu'à la mort. »« Bien-aimé, tu veux être élevé, tu veux qu'on te dise que cette femme-là, elle est puissante, alors rabaisse-toi, laisse-toi briser, laisse-toi façonner, laisse-toi laisse modeler, laisse, on va enlever le moi, on va enlever les os, on va enlever l'orgueil, on va te briser, afin que tu, tu te sens comme si tu es vide. » Tu te sens comme tu n'es rien. Et Jésus va mettre son esprit en toi. Bien aimé, une bouteille qui est remplie, on ne peut pas mettre l'eau. La bouteille qui est remplie, c'est toi et c'est moi. On est rempli. Donc, étant rempli, on ne peut pas mettre de l'eau. Si on met l'eau, l'eau va déborder. Pour qu'on puisse mettre de l'eau, il faut te vider. Ma soeur, mon frère, sois une bouteille vide. Une bouteille vide. Une bouteille vide. Enfin que Dieu te remplisse de son action Alléluia, tu veux l'onction, tu veux être une personne onctionnée, une personne qui a l'onction. Mais il faut passer par le brisement. Amen. La Bible nous dit dans le Jean 12 24, si le blé qui, qui ne tombe pas à terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Et le fruit c'est l'onction. Amen. Le fruit c'est l'onction. Si tu ne meurs pas, si tu ne te laisses pas briser, si tu ne te laisses pas être humilié, tu ne peux pas porter de fruits. Pour porter de fruits, il faut mourir en soi-même. Amen. Ton moi là, ça va disparaître. Ta volonté va disparaître. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu. Si Dieu veut que je passe par ça, je passerai par là. Si c'est le chemin sur lequel Dieu veut que je passe pour qu'il puisse me lever, je vais passer par là. Bien-aimés, nous devons rechercher le brisement. Nous devons accepter le brisement. Nous devons accepter. Bien-aimés, il ne faut pas résister. Souvent, Dieu te fait passer par le brisement, mais tellement que c'est douloureux et que tu ne peux pas accepter. Quand tu penses qu'on se fout de toi, on ne se fout pas de toi. C'est Dieu qui permet ce brisement. C'est Dieu qui permet ce passage, car Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te remplir. Mais il te dit que ma fille, mon fils. Tu es trop rempli de toi-même. Il faut te vider. Pour que moi, j'ai pu te remplir, il faut te vider. C'est-à-dire, il faut mourir en toi-même. Le moi doit mourir. Un non, moi, on ne me dit pas ceci, moi, on ne me dit pas cela, ça doit partir. Un homme est brisé, on lui dit tout. Une femme est brisée, on lui dit tout. Un homme est brisé, on lui dit tout. Un enfant brisé, on lui dit tout. On lui dit tout, il ne prend pas cela à mal. Mais il cherche à faire la volonté de Dieu. Il se laisse conduire, il se laisse diriger. Il se laisse bien me façonner. Il se laisse... Il se laisse piler, il se laisse extraire tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Le brisement est douloureux. Amen. Le brisement est douloureux. Le brisement est douloureux parce que c'est ton moi, c'est ton ego. Le moi, c'est l'ego l'égoïsme, amen. Le moi, c'est ton moi qui va être touché. Le brisement est douloureux, ça fait mal, ça fait très très mal, parce qu'on a touché quelque chose. Que toi tu ne veux pas qu'on touche à ah Moi, moi, mon moi. On a touché mon moi, on m'a fait ceci. Je vais quitter l'église, je vais partir de l'église, parce que moi m'a fait. Bien aimé. Aussi longtemps que le moi, le moi là, tu ne sauras plaire à Dieu. Amen. On ne va pas se fatiguer comme ça et puis demain, Dieu va nous dire, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Bien-aimé, alors ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Nous sommes à la fin de notre jeûne. Nous allons entrer dans la nouvelle année. Nous ne devons pas rentrer dans la nouvelle année comme on est aujourd'hui là. Bien-aimé, tu dois commencer à prier, commencer à demander au Seigneur. Je vais te donner tous les versets bibliques. Amen. Tu vas commencer à prier que le Seigneur puisse te briser, que le Seigneur puisse enlever tout ce qui n'est pas de lui en toi, que le Seigneur puisse te faire comme lui veut, comme lui veut, et non pas ta volonté. Mais nous allons rentrer dans peu de temps, en l'année 2021. Tu vas commencer à pleurer sur ta vie. Commencer à demander au Seigneur de te changer. De changer ton caractère, ton comportement. Tu te plains vite. Tu te fâches vite. À peine on t'a parlé, tu es déjà fâché. À peine on t'a dit cela, tu es déjà fâché. Tu dois changer. Tu dois demander au Seigneur de te briser. Au Seigneur de te façonner. Nous allons partir par la grâce de Dieu. Seulement la grâce de Dieu. Dans la nouvelle année. Amen. Mais nous devons prier pour que Dieu puisse nous aider. Parce que... Le brisement est douloureux, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et souvent aussi c'est humiliant. Souvent on va t'humilier. Amen. Souvent les gens vont t'humilier. Oh mais, c'est ce que nous devons faire. Amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Pour pouvoir être élevé, nous devons passer par le brisement. Amen. Pour être élevé, tu dois passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin. Maman. Toi, tu es là, tu es un servant de Dieu, tu veux servir Dieu. Je vais te dire, tu n'es pas encore brisé. Laisse le Seigneur te briser. Mon frère, tu es là, tu veux servir Dieu. Laisse le Seigneur te briser. Amen. Il faut passer par le brisement. Le brisement, c'est un chemin. Amen. Le chemin, là, il est douloureux. Il est parfois humiliant. Mais, c'est la seule chose à faire. Il n'y a pas de court chemin. Pour la puissance spirituelle. Il faut le noter. Tu vas me noter, le brisement est douloureux. Il faut l'écrire. Le brisement est douloureux. Le brisement est parfois humiliant. Mais c'est seul, la seule chose à faire. Il n'y a pas de coup-chemin pour, pour recevoir la puissance spirituelle. Pour recevoir la puissance spirituelle, il n'y a pas un autre chemin. Il faut le mettre, il faut écrire ça gros comme ça. Et tu mets devant ta, ta, ta cuisine, sur ton réfrigérateur, dans ta chambre, sur ton armoire. Écris ça en gros. Et quand chaque jour tu vas le voir, alors tu vas demander au Seigneur de te briser. Est douloureux. Parfois, il est humiliant. Mais c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire. Il n'y a pas de coup chemin pour recevoir la puissance spirituelle. Amen. Pour recevoir la puissance spirituelle, nous devons passer par le brisement. Ma soeur, demain, par la grâce de Dieu, ils vont venir et tous ces tralala vont, vont s'arrêter. Il n'y a pas deux chemins. Nous devons tous passer par le brisement, maman, mon frère. Si nous voulons recevoir la puissance spirituelle pour être les hommes moins puissamment, nous devons passer par le brisement. Nous devons regarder l'histoire de Jésus. Nous devons regarder aller lire l'histoire de Jésus. Comment lui-même il s'est fait humble, il s'est fait petit. Nous devons aller étudier le, le, la vie de Jésus. Amen. Le brisement est douloureux. Mets-toi ça dans la tête. C'est-à-dire que tu ne vas pas aimer ce que toi-même tu vas traverser. Mais comme tu cherches à voir la puissance de Dieu. La puissance est spirituelle pour avoir, pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, c'est le seul chemin sur lequel tu dois passer. Maintenant, ceux qui ne veulent pas passer par ce chemin de brisement, ils vont maintenant prendre la puissance, la puissance diabolique. Parce qu'ils ne veulent pas passer par le brisement. Amen. Et ils vont chercher la puissance diabolique. Mais toi et moi, nous devons passer par le brisement. C'est douloureux. C'est humiliant. Mais dis-toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que c'est la seule voie. Et c'est la seule chose à faire. Il n'y a pas un coup chemin. Si tu veux recevoir la puissance spirituelle. Alléluia! Amen. Si tu veux recevoir la puissance spirituelle. Oh Seigneur, aide-nous. Si tu veux recevoir la puissance spirituelle. Si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et puis être dans une bonne relation avec Dieu. Alors, tu as besoin d'être brisé. Amen. Nous sommes en train de clôturer notre jeûne de 40 jours. Et le cadeau que je t'offre, c'est le brisement. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas brisés. Beaucoup de ceux qui servent Dieu ou qui veulent servir Dieu n'ont aucun brisement en eux. Quand ils sont en train de passer par un chemin un peu bizarre, ils quittent. Moi, je vais quitter. Moi je ne vais pas. Moi je n'aime pas les histoires. Bien aimé, quand tu commences à dire des choses comme ça, c'est que ma soeur, tu n'es pas encore brisée. Non, non, non. Moi je n'aime pas les histoires. Moi je n'aime pas là où on est, puis il y a toujours des histoires. Ma soeur, c'est l'orgueil. Une personne est brisée elle est là. Même s'il y a des histoires, elle accepte la calomnie. Même s'il y a des histoires, elle accepte qu'on lui dise n'importe quoi. Parce que pendant ce temps, Dieu est en train de travailler son caractère. Pendant ce temps, Dieu est en train de travailler sa vie. Et vous verrez que la personne commence à être élevée. Vous allez commencer à être jaloux. Mais est-ce que vous savez par quoi elle est passée par l'humiliation, par le brisement, par les fausses accusations. Mais elle a tout accepté. Elle est restée là. On l'accuse, on l'attaque. Des attaques partout. Les gens ne lui parlent pas. On ne lui dit pas bonjour, mais elle est là. Elle dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais seulement ta volonté. Non pas ma volonté, mais toi. Ah non, moi je m'en vais. Cette église-là, moi je suis plus dedans. Il y a toi des problèmes. Moi, ce groupe-là, ma soeur, tu vas faire le tour. Tu n'auras rien. Et puis, Dieu ne peut pas t'utiliser. Je te dis et je te parle de la vérité. Amen. J'ai travaillé avec des hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu nous ont parlé, nous ont enseigné. Ces hommes de Dieu nous ont formés. Ces hommes de Dieu nous ont donné leur témoignage. Et c'est à partir de toutes ces choses-là que ce matin, je suis en train de te déposer là. Amen. Pour que tu puisses entrer dans une bonne année et que l'année prochaine, Dieu puisse te lever. Et que l'année prochaine, Dieu puisse travailler avec toi. Et que l'année prochaine, Dieu puisse te donner des révélations. Bien-aimé, il y a des révélations que tu reçois, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des révélations, tu penses que c'est de Dieu, c'est toi-même, c'est ton imagination. Dieu ne t'a pas donné des révélations. Une personne qui n'est pas brisée. Une personne qui n'accepte pas les, les, les réprimandes. Une personne qui n'accepte pas qu'on lui dise, ma soeur, ce que tu as fait, c'est pas bon. Comment Dieu va te parler? Le seul chemin pour être en communion avec Dieu. Le seul chemin pour que Dieu te parle, c'est le brisement. Amen. C'est le brisement. Si tu veux recevoir la puissance de Dieu. Amen. Si tu veux que le Saint-Esprit continue à t'utiliser, alors, tu as besoin d'être brisé. Alléluia, tu as besoin d'être brisé. Si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit et être en bonne relation avec Dieu, nous avons besoin d'être brisés. Amen. Tu as besoin d'être brisé. Dieu ne peut pas se servir d'une personne qui est remplie. Le moi doit mourir. Amen. Le moi doit être brisé. Le moi doit être brisé. On doit te dire. Maman, telle, viens ici, tu vas. Mon frère va ici, tu vas. Amen. Tu ne cherches pas, tu ne dis pas, ah, hein? non, 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 non. Tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu. Tu es soumis à Dieu. Oh Alléluia. La partie de ton cœur où réside le moi doit être brisée. Amen. Cette zone qui est dure, le moi doit te briser. Ce moi qui ne veut pas céder la place doit te briser. Si le moi encore là, Amen. Si la partie de ton cœur qui est dure, qui ne veut pas s'incliner et qui est là, on ne peut pas le cliner, c'est que tu ne peux pas recevoir de Dieu la grâce, la puissance de Dieu. Si le moi encore là, tu ne peux pas dire que tu es brisé. Amen. Si le moi, ton cœur, on ne peut pas te toucher. Ne dis pas que tu es brisé. Je dis, hein. Il y a des femmes qui ont des fausses apparences. Moi, quand j'allais à l'église, il y avait des soeurs là. Je rigolais même. Il faut les, faut les voir. Elles marchent comme ça, comme des bonnes soeurs. Mais des mauvaises, des orgueilleuses, des femmes non brisées. Il y a des gens comme ça. Quand tu les vois, on dirait des bonnes soeurs. Quand tu les vois là, elles ne parlent pas. Elles sont là, gne, gne, mais masse sur les pieds. Va les provoquer. C'est là que tu sauras qui est qui. Amen. Et j'avais beaucoup de femmes comme ça dans, dans l'église où j'étais. Des fausses apparences trompeuses. Nous, en parlait tellement que notre nom était pas tout. Mais ces femmes-là, quand vous êtes quelque part, elles ne parlent pas. Maman, non, non, non. Moi, je n'ai rien à dire. Eh hey, maman, elle sourit. Mais maman Mange sur son pied. Alléluia. Vous, elle va te manger jusqu'à te déchirer. Ça, c'est les fausses apparences. Dieu n'a pas besoin des fausses apparences. Dieu a besoin que ton cœur soit brisé. Dieu a besoin que ton cœur soit modélé. Donne ton cœur à Jésus. Que Jésus commence à travailler ton cœur. Que Jésus prenne toute la place dans ton cœur. Que ton moi disparaisse. Aussi longtemps que le moi est là, Bien-aimé, tu ne peux pas réclamer que tu es brisé, jamais. Aussi longtemps qu'on ne peut pas te toucher, tu ne peux pas réclamer que tu es brisé. Aussi longtemps qu'on ne peut pas te gifler et que tu dises gloire à l'éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas réclamer que tu es brisé. Aussi longtemps que tu ne vas pas laisser le feu tomber sur toi sans réagir. Tu ne peux pas réclamer que tu es brisé. Aussi longtemps que tu ne vas pas accepter qu'on puisse te choquer sans que tu ne répondes, tu ne peux pas prétendre que tu es brisé. Alléluia. Une personne brisée mais est une personne qui ne se bat pas. Une personne brisée ne se bat pas. Elle ne se défend pas. Amen. Une personne brisée accepte. Les calomnies. Une personne brisée ne se justifie pas. Amen. Une personne brisée ne cherche pas à avoir raison. Une personne brisée ne va pas courir partout pour se justifier. Une personne brisée n'est pas une personne qui murmure. Une personne qui parle de personne à personne pour rencontrer des choses. Non. Une personne brisée, même quand tu viens lui dire, à ah, ma soeur, on a dit ça de, de toi et de gloire à l'éternel. Que le Seigneur soit béni. Et son cœur est en paix. Toi-même qui est venu sangui, sangui, as es venu faire le son sanguis, tu as honte maintenant. Tu es venu faire le papa tu as honte. Parce que elle t'a pas répondu. Amen. Une personne est brisée. Même quand on vient lui dire, on a dit ça de toi, ça de toi, elle ne va jamais aller demander. Elle va dire que le Seigneur soit béni. Elle continue sa vie. Parce que elle, elle le moi qui est en elle est mort. Amen. Le moi qui est en est mort. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que si le blé ne, qui est tombé à terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de, plu, de fruits. Mais la terre, c'est le monde. La terre, c'est les hommes. Mais toi, tu es parmi les hommes. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois laisser les gens te piétiner. Tu dois laisser les gens te critiquer. C'est mourir en toi-même. Ce que tu n'acceptais pas hier. Mais aujourd'hui, tu commences à l'accepter. Bien-aimé, c'est mourir en toi-même. Et quand tu passes par cette étape d'être purifié, Alléluia, alors Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te donner des révélations. Dieu va te donner des secrets. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va parler avec toi. Dieu va te communiquer ses pensées. Parce qu'il a trouvé que ton cœur était brisé. Ton cœur était humble. Bien-aimé, nous voyons l'histoire d'Élisée. Élisée voulait l'ancien de Élisée. Elle lui dit, mais non, Élisée, l'onction ne se donne pas comme ça. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent l'onction, cherchent la puissance. Oh, moi, je vais ressembler à un tel. Non, bien aimé, il faut passer par la période de brisement. Amen. Il faut passer par l'étape de l'humiliation. Et quand nous voyons la vie d'Élisée, bien aimé, lorsque Élisée est en train de suivre son maître, on, on se moquait de lui. On lui disait, chauve, 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 ton maître va être enlevé de, -de dessus ta tête. Aujourd'hui. Il dit, taisez-vous, je le sais. Il continuait, on le décourageait. Il y avait des choses, des... on lui disait des choses, mais il ne s'occupait pas de tout ce que les gens lui disaient. Amen. Lui, il sait ce qu'il voulait et c'est ce qu'il regardait. Un homme qui a besoin de l'onction laisse la chair mourir. Amen. Une personne qui veut aller loin avec le Seigneur, il doit laisser la chair mourir. Il doit laisser qu'on te crucifie. Tu dois laisser qu'on t'injure. Tu dois laisser qu'on qu critique Tu dois laisser que les gens puissent dire forcément de toi les mensonges. Ce n'est pas grave. Dieu est celui-là qui va te justifier. Mais toi, tu sais quelque chose. Moi, je veux arriver là-bas. Moi, je veux avoir telle chose-là. Alors, ma chair doit mourir. Bien-aimé, je vous donne, je vous dis la vérité. Nous nous sommes passés par le brisement. Nous sommes encore dedans. On n'est pas encore arrivé. Le chemin continue. Chaque jour que Dieu fait, il nous brise. Chaque jour que Dieu fait, il va utiliser une chair. Bien-aimé, pour te briser, c'est quoi? Dieu va... Tu disais une personne qui va commencer à te faire ce que tu n'aimes pas. Amen. Dieu va commencer à utiliser une personne pour te dire ce que tu ne veux pas entendre. C'est ça le chemin du brisement. Quand tu ne réagis pas, c'est que tu es sur la voie du brisement. Dieu va utiliser des personnes pour te maltraiter. Il va utiliser une personne pour te faire ce que tu n'aimes pas. Mais si tu as dominé, c'est que tu es sur le chemin du brisement. Amen. Tu es sur le chemin. Dieu va toujours utiliser une personne pour te briser. Dieu va, il y avait un pasteur qui était un but de lui-même un pasteur qui était orgueilleux c'est lui-même qui nous a donné son témoignage mais Dieu a fait venir une femme dans l'église là et la femme a commencé à persécuter le pasteur parce que Dieu voulait que le pasteur là puisse être délivré de l'orgueil le pasteur au début ne comprenait pas le pasteur détestait la femme il dit quand il voit la femme rentrer à l'église il est fâché il a même envie de la chasser Alléluia. Quand il voit la femme rentrer, le serment qu'il a préparé, là, il va changer. Il va commencer maintenant à attaquer la femme. Mais pendant qu'il attaque la femme, la femme aussi l'attaque. Il y avait un combat dangereux entre les deux. Oh, Dieu voulait briser le pasteur. Et le pasteur a utilisé la femme. Mais quand l'homme de Dieu a compris cela, il a commencé à aimer la femme. Dieu lui a dit Cette femme-là, c'est pas elle que je vais t'élever. Il n'a rien compris. La femme maltraitait le pasteur. La femme se comportait mal envers le pasteur. La femme disait des choses sur le pasteur. La femme critiquait le pasteur à l'église. La femme fomente des coups à l'église. Bien aimé, quand le pasteur a compris que non, c'est le chemin du brisement, il a accepté. Il a accepté. Il est rentré en lui-même. Il a commencé à examiner sa voix. Et il a vu qu'il y avait beaucoup de choses en lui qui devait laisser. Qu Dieu le changeait. Quand le monsieur l'a compris cela, il a commencé à prier, Dieu, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Bien-aimé, il a commencé à prier parce que à travers la femme, Dieu a montré au monsieur ce qu'il était. La colère, la haine, les animosités, les rancœurs. Bien-aimé, il était pasteur. Mais tout cela était en lui. C'est-à-dire que ce monsieur-là n'était pas agréable à Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour lui-même. Mais lorsque, que, comme Dieu voulait qu'il soit délivré. Et il a envoyé cette dame-là. Quand il a compris, maman, il a commencé à prier Dieu, que Dieu le change, que Dieu le transforme. Alléluia. Peu de temps après, le monsieur a été transformé. Le monsieur a été changé. Les, les chrétiens ne comprenaient pas. Amen. Et vous voyez son église qui était presque vide. Parce que lui-même, par son comportement, par sa manière de chasser les gens, de parler aux gens, les chrétiens viennent là-bas. Il ne dit pas, il s'en va. Les chrétiens viennent, il ne dit pas, il s'en va. Amen. Parce que lui-même, là, son cœur n'était pas brisé. Lui-même, il n'était pas bon. Il chassait les chrétiens. Il faisait des choses bizarres. Mais quand il a compris que la dame là était venue pour que tout ce qui est en lui soit exposé, disgracié. Il a accepté cela. Le monsieur a commencé à prier. Il a commencé à pleurer sur sa vie. Il a commencé à pleurer sur sa vie. Bien-aimé, peu de temps après, le monsieur a été délivré. Quand il a été délivré, le monde a commencé à venir à l'église. Le monde a commencé à venir. Le pasteur là est devenu aujourd'hui un homme de Dieu puissant. Amen. Il a écrit son témoignage et moi, j'achète le livre là et je le vends. Bien-aimé. Mais c'est te dire que Dieu va passer par l'humiliation. Dieu va passer par la douleur. Il va te faire passer par la douleur. Quelqu'un qui ne peut même pas te parler va commencer à te parler mal. Va commencer parce qu'il y a quelque chose en toi, bien-aimé, que Dieu veut que ça puisse sortir. Alléluia. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut... Dieu veut que ça meure. Alors il va utiliser une personne pour commencer à t'attaquer, pour que la chose se manifeste et que toi tu puisses abandonner. Sois béni ce matin. Bien-aimés, ce sont des secrets que moi j'ai reçus de mes pères spirituels, que j'ai reçus de mes mentors. Amen. Et je te donne ces secrets-là pour que Dieu puisse te façonner, pour que Dieu puisse te briser. Bien-aimés, le chemin de la puissance de Dieu, c'est le brisement. Amen. C'est le brisement. Si tu n'es pas passé par le brisement, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Je suis désolé, va trouver les grands hommes de Dieu, ils vont tous te le dire. Tu passes par le brisement, Dieu va te lever. Tu n'es pas une femme brisée, tu es une femme indue de toi-même, on ne peut pas te corriger. Il y a des personnes, on ne peut pas corriger. Amen. Il y a des personnes, ils se disent qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Quand tu essaies de les corriger, leur, leur orgueil est là, ils prennent un coup et puis ils disparaissent, tu ne les vois plus. Amen parce que l'orgueil est là, le moi est là. Bien aimé, tu vas me fuir moi Israël. Faut partir. Mais c'est toi même ton problème. Amen. C'est ton problème, avec ton bagage. Tu vas tourner en rond jusqu'à tu vas voir que ce n'est pas Dieu tu sais, c'est toi même tu te sais. Et quand tu vas le comprendre, c'est déjà trop tard. Dieu, il dit que je peux même susciter des pierres pour m'adorer. Il va te mettre de côté et il va prendre une pierre, une pierre qui se laisse modeler, une pierre qui se laisse enseigner et il va élever cette pierre parce que c'est Dieu qui met son onction dans nos vies. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous venons déterminer notre jeûne. Alors je t'apporte, je te donne cet enseignement. Amen. Mais je te conseillerais d'acheter, bien aimé, des ouvrages qui vont encore mieux te développer pour que tu puisses mieux comprendre ce que c'est que le chemin du brisement. Je vous ai dit, nous allons voir trois types, à quatre types hein, des, des animaux, le cochon. Amen. La chèvre, le chien, la colombe. Nous allons voir toutes ces choses-là. Et chacun va se, va se situer. Est-ce que je suis un cochon? Amen. Est-ce que je suis une chèvre? Chacun doit être, doit être un, 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 un vrai envers lui-même pour que Dieu puisse te délivrer. Amen. Le brisement, c'est le seul chemin de l'élévation. Amen. Le brisement, c'est le chemin de la grandeur. Bien-aimé, si tu veux être une femme puissante en esprit, un homme puissant en esprit, et si tu veux être en bonne relation avec le Seigneur, alors... Il te faut et tu as besoin d'être brisé. Amen. Dieu est, la Bible nous a dit, je vous donne des versets. Il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 34. Amen. Le verset 18. Le psaume 59, 51. Le verset 19. Amen. Ce sont des versets qu'il faut aller méditer. Le psaume 34, verset 18. Le psaume 51, verset 19. Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le cœur brisé. Je n'ai pas dit le cœur, mais, mais dans, dans le désespoir, non, le cœur brisé, c'est-à-dire le cœur humble, le cœur qui a été brisé, Amen, le cœur qui est passé à l'épreuve, pas le cœur dur, pas le cœur de pierre, mais le cœur d'une personne brisée, une personne humble, une personne qui accepte les réprimandes, une personne qui accepte, Amen, qu'on lui fasse des remarques. Elle accepte cela et puis elle rentre en elle-même et elle prie pour que le Seigneur puisse la délivrer. Amen. Et je vous ai dit que une personne qui est brisée ne se bat pas. Amen. Oh, nous voyons qu'il y a des gens qui se battent pour des postes à l'église et surtout. Il y a des gens qui se battent à l'église. Il y a des gens qui se battent pour tout. au oh, moins je vais être ceci. Non, une personne qui est brisée, quel que soit l'endroit où on la met, elle accepte. Amen. Quel que soit ce qu'on lui dit de faire, elle le fait. Et puis, c'est Dieu même qui va te lever. J'ai écouté le témoignage d'une dame. C'était à, à, à Londres. La femme là était dans une église quelconque, mais la femme là, elle balayait la salle. C'est elle qui lavait les toilettes de l'église. Amen. La femme là lavait les toilettes de l'église. C'est elle qui se qui s'occupait des toilettes de l'église, hein. les toilettes de l'église là. Quand les gens ont fait leurs besoins, ça a été là-bas là. là. C'est la, la, la femme là, elle s'occupe de ça. Oh, devant Dieu, la femme là était élevée. Amen. Voilà, elle lavait les toilettes de l'église. Tout en lavant les toilettes, elle chante. Elle était contente. Les gens de Paul, la là-bas, elle les ramasse tout. Elle était, elle était humble. Une chrétienne humble qui ne cherchait pas les, les postes. Mais entre elle et puis Dieu, il y avait une telle communion car elle était brisée. Il y a un homme de Dieu qui a quitté, je ne sais pas où. Il est venu, il y avait une grande conférence. La femme était en train de laver ses toilettes. <coughs> Parce que au fur et à mesure que les gens viennent faire leurs besoins, c'est sale. Il fallait laisser la place là propre. Donc elle, elle était calée là-bas. Elle écoutait seulement, mais elle avait ses toilettes. Elle lavait ce on appelle ici à Paris quand dans les je sais pas dans les trucs oui il y a les trucs de faire pipi madame pipi donc on la sait comme elle était madame pipi mais elle était là elle faisait son travail elle elle entre elle et puis Dieu là il y avait une communauté merveilleuse chez elle à la maison bien mais elle avait la toilette oh elle avait demandé des choses à Dieu c'est Dieu ce qui sait elle était dans les toilettes l'homme de Dieu qui était arrivé de quelque part étant de le prêcher le prêcher à un moment donné l'esprit a fait qu'il s'est arrêté quand il s'est arrêté il dit mais je vois une dame mais je vois une femme que Dieu veut élever en ce lieu. Il dit, je vois une dame, je vois une dame, je vois une dame, je vois une dame. Il a commencé à parler. Lui, il connaissait pas la dame. Hein? Il était un invité, il vient d'arriver. Il dit, Dieu me montre une dame qui veut élever aujourd'hui dans cette église. Les femmes avec les gros gros chapeaux, elles étaient contentes. Les femmes avec les gros gros robes, elles étaient contentes. Elles étaient assises devant. Elles se regardaient entre elles-mêmes. Elles, elles disaient, ah, on va nous élever. Bien aimé, Dieu là. Hey, toi tu te crois grande là. Dieu ne te regarde même pas. C'est le petit la petite fille qui assise quelque part là-bas que vous ne considérez pas. Devant Dieu, la Bien-aimé, quand tu vas prendre, quand tu va fini avec l'humilité, toi-même tu vas voir. Il y a des choses que tu, tu entends de te cramponner dessus, tu vas abandonner. Bien-aimé, mais mais, à l'église, là-bas, il y a des femmes, faut les voir. Maman pasteur, maman diagonaise, maman ancienne, maman prophétesse. Dieu ne te regarde même pas. Parce que tu n'es même pas brisé. Ton cœur est rempli d'orgueil. Ton cœur est rempli de méchanceté. C'est les hommes qui te voient. Oui, la femme-là, elle connaît la Bible, hein, elle prêche bien. Mais devant Dieu, c'est zéro. La femme-là était dans son ma madame pipi, en train de laver les caca que les gens venaient déposer pendant le séminaire. L'Esprit de Dieu a saisi l'homme de Dieu qui vient d'arriver. Il dit, je vois, Dieu me montre en esprit une femme. Dans cette église qui veut élever, les mamans, papa qui étaient assise devant la balle, elles étaient en train d'arranger leurs les chapeaux. Ça, c'était à Londres. Hein. Donc tout le monde était en chapeau là-bas. Chacun arrangeait son chapeau. Chacun se regardait, ils étaient contentes. Hey, on va nous élever ici-là. L'homme de Dieu a traversé la foule. L'homme de Dieu, il y avait du monde, du monde, du monde, du monde. L'homme de Dieu a traversé tous ces grandes dames avec leurs gros gros chapeaux, avec leurs titres bizarres. Il les a dépassés jusqu'à... Oh, les gens le regardaient. Il allait mettre aux toilettes, il cherchait la femme. L'Esprit euh, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, remplis-moi. Donne-moi cette tension-là. Cette tension qui fait que je me déplace jusqu'à l'autre. Oh Seigneur, remplis-moi de cette tension. J'ai besoin de ça, Seigneur. Oh bien-aimé, l'homme de Dieu a quitté là-bas sa chair. Il a fait le tour de l'église. Les gens le regardaient. Les gens disaient, mais il va où, là? Il va où? Il allait jusqu'à dans les toilettes. La femme était assise avec, en train de, de chanter chanson, en train de laver le WC. Les gens, le, le, les, hommes, les hommes de Dieu, c'est peut-être le suivaient. Le suivaient, dit, mais c'est quoi, bon? Ils ont suivi le monsieur jusqu'à, le monsieur allait jusqu'à dans les toilettes, là. Il a mis la main sur la dame. Eh, oh, bien aimé, Dieu, Dieu, hein? Maman. Ne cherche pas les premières places. Là où tu assises, la là, reste là-bas. Dieu va venir te chercher là-bas. Il va te faire sortir de la foule. Il va te, te won. Seulement, cherche le brisement. Laisse Dieu, laisse Dieu travailler ton cœur. Le cœur, le cœur. Sois une femme humble, une femme brisée, une femme qui ne réagit pas. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais, mais il allait toucher la femme. La femme s'est mise en genoux. Il a fait venir la femme devant. Bien aimé, il a commencé à prier pour la femme. Il dit à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que il a commencé à parler à parler, à parler, à parler, à parler, à parler, à parler, à parler sur la femme. Bien aimé. Les gens de l'église là, comme ils ont vu que la femme, elle était Madame Pipi Caca, ils pensaient que la femme ne connaissait rien. Oh la femme à la maison! Elle avait une communion avec Dieu, une femme qui connaissait Dieu, une femme qui était en communion matin, midi et soir avec Dieu. Mais arrivée à l'église, elle s'est fait humble, elle s'est fait petite. Elle lavait la salle. Elle avait compris la grandeur. Elle avait compris que pour que Dieu te lève, il faut laver les pieds. Jésus nous a donné l'exemple. Est-ce que nous avons compris? Il dit Nous devons laver les pieds de nos frères et sœurs. Si nous voulons être grands, nous voulons être grands. Dieu nous parle de l'humilité. Bien-aimé, le brisement. Tu dois te rabaisser. Tu dois venir t'asseoir chez Maman Israël. Servir Maman Israël. Préparer pour Maman Israël. Et Dieu va te lever même au-dessus de Maman Israël. Bien-aimé, c'est ça le secret de la grandeur. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les hommes de Dieu ne comprennent pas. Ils veulent qu'on les serve. Non, un homme de Dieu doit servir. Moi, je vais servir. Moi, je sais. Je sais mes fidèles. Amen. Parce que là où j'étais été formé, les femmes de Dieu, elles-mêmes, elles servent les gens. Elles-mêmes, elles préparent. Elles-mêmes, elles servent les gens à manger. Parce que quand tu as compris le secret, tu ne vas pas t'asseoir gaillardement pour qu'on te donne à manger. Jamais de la vie. Amen. Ceux qui n'ont pas compris, Là, ils sont assis et puis on les donne à manger. bien mais la personne qui te donne à manger, elle va te dépasser. Amen. La personne qui te sert, elle va être plus grande que toi. Vous n'avez pas vu Élisée Regardez l'histoire d'Élisée et d'Élie. Élisée a reçu la double pension De d'Élie parce qu'il était au pied d'Élie. Il était serviteur. bien aimé quand tu es serviteur, Dieu t'élève. Amen. Mais quand tu veux devenir maître. Tu veux grandir vite, vite, vite. Dieu te rabaisse. Il a dit que celui-là qui veut être élevé sera abaissé. Donc, ma soeur, ce matin, je suis venue te communiquer la vie. Si tu veux être élevé, si tu veux que Dieu t'utilise, va chercher un homme de Dieu. Va chercher une femme de Dieu. Et sois sa servante. Amen. Sois sa servante. Sois, sois là au pied d'elle. Qu'elle t'envoie. Qu'elle t'envoie. Dieu va t'élever. Mais seulement si tu laisses Dieu briser ton cœur. Il ne faut pas le faire. Dans la sournoiserie, dans l'hypocrisie, mais c'est que ton cœur est brisé. Ton cœur est façonné, parce que c'est Dieu qui voit ton cœur et c'est Lui qui t'élève. La dame là sur place, la bien-aimée, elle a été élevée. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à bénir la dame là, hey, ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est que en même temps, l'onction de Dieu est descendue sur elle. La femme a commencé à prêcher. Les gens étaient là comme ça, on la regardait. La femme a commencé à prêcher l'Orson de Dieu. Il y avait des guérisons, il y avait des guérisons. Bien aimé, oh yes, oh yes, oh yes. Je n'étais pas de quelque chose. En même temps, la femme a exercé le ministère de la femme automatiquement. Ça n'a pas attendu, hein? En même temps, le ministère, ce n'est plus maintenant l'homme qui était à la page. C'était elle maintenant. Elle a commencé à parler dans l'église, les gens pleuraient. Elle a commencé tous les, tous les, tous les, tous, tous, tous les bêtises que les gens faisaient dans cette église-là. Le Seigneur a dévoilé tout à travers sa servante. Elle a commencé à dire tous les bêtises, même les pasteurs qui étaient là, les double vie les ceci, tout est sorti ce jour-là. Dieu a élevé la femme. Il a élevé la femme. Ce jour-là, la femme ne lavait pas pipi. Mais elle dit non, je continue à laver pipi. Et malgré qu'elle était élevée, amen. Elle était élevée à, la, à dans l'église. Bien aimé, malgré l'élévation, elle dit je ne peux pas laisser de laver les toilettes parce que c'est de là bas que Dieu m'a prise c'est de là-bas que Dieu m'a prise. Amen. Malgré qu'elle était élevée, malgré qu'elle était passée à un autre niveau, mais la dame lavait toujours les toilettes. Elle lavait les toilettes parce qu'elle a compris le secret de la grandeur. Alors je suis venu te parler ce matin pour que Dieu te lève. Il faut te rabaisser. Il faut te rabaisser, il faut te rabaisser pour que Dieu te propulse, pour que Dieu travaille avec toi dans la puissance de ton esprit. Rabaisse-toi, 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 rabaisse-toi. Rabaisse Rabaisse tu es là, tu m'écoutes. Dieu veut que tu te rabaisses, tu te rabaisses, tu te rabaisses. Dieu veut que tu ne te considères plus, mais que tu considères Dieu. Dieu veut que tu te rabaisses. Dieu veut que tu aies travaillé auprès de d'un homme auprès d'une femme que Dieu lui-même, il va te prendre de là-bas pour t'élever. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit du prophète? Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Il veut faire des grandes choses avec toi. Mais seulement ton cœur n'est pas brisé. Il demande que ton cœur soit brisé ce matin. Il demande que ton cœur soit brisé ce matin. Il demande que ton cœur soit brisé ce matin. Alléluia. Puis-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Jésus Christ, mon sauveur. Pardonnez-moi. 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 Seigneur, Jésus Christ moi seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur, purifie-moi, seigneur, purifie-moi, seigneur, purifie-moi, seigneur, Jésus Christ, mon sauveur, purifie-moi, 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 par ta puissance, purifie-moi, 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 par ta parole, purifie-moi, 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 élève purifie ta voix ce matin. Tu es là ce matin, tu as entendu la parole de l'éternel? Commence à prier. Commence à demander au Seigneur de te purifier, de te briser, de te façonner. Dis au Seigneur d'enlever en toi les scorp tout ce qui n'est pas de Dieu, les scorpions, les serpents. Dis au Seigneur de te délivrer. Enfin, qu'il puisse t'utiliser pour sa seule et unique gloire. Tu es là ce matin, tu as écouté la parole de l'Éternel. Commence à prier. Dieu il te connaît. Il a envoyé sa parole pour te délivrer. Il a envoyé sa parole pour te guérir. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, nous sommes le dernier jour de notre jeûne de 40 jours. Et tu as envoyé cette parole pour moi, pour me délivrer. Oh Seigneur, que ton nom est glorieux. Élève la voix, bénis le Seigneur. Élève la voix comme temple, la gloire de Dieu. Ce qu'il a fait pour cette femme, il le fera pour toi. Il le fera pour moi. Parce que moi, je vais aller loin avec le Seigneur. Alors Dieu, délivre-moi. Seigneur, façonne-moi, brise-moi, Seigneur. Enlève à moi tout ce qui m'empêche, oh Dieu, de recevoir la puissance de Dieu. Seigneur, aide-moi, papa, brise-moi, Seigneur. Éternel, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi un cœur. Un cœur de chair, papa. Un cœur flexible, Seigneur. Oh Dieu. Aide-moi Seigneur, élève ta voix, commence à prier, élève ta voix, commence à demander au Seigneur de te façonner, de te briser, Alléluia, il est là ce matin, il est là, il a entendu ta voix, il veut te libérer, il veut te bénir ce matin, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Amen, and Amen, Shalom, Shalom, ma ma petite soeur, la servante de Dieu, maman Madeleine Algérie, Shalom à toi, maman, que Dieu te bénisse. J'espère que tu te trouves en ce moment en Côte d'Ivoire. Merci, merci maman. Shalom à toi, maman Odette de la Guadeloupe. Sois bénie, Maman Odette. Shalom à toi, Maman Joséphine, quand même de gloire. Sois bénie, toi bénie, sois bénie, soyez béni les bien aimés de, de, de Jésus. Soyez béni ce matin, nous sommes dans la joie. Amen. Nous venons de finir notre jeûne de quarante jours, mais nous allons clôturer ce jeûne à seize heures. 16 h 1 de la France, qui fait 15 h 1 d'Abidjan. Amen. Donc, nous continuons notre jeûne jusqu'à ce que nous finissions notre programme cet après-midi. Donc, cet après-midi, il y aura un direct. Alléluia. Il faudra que vous préparez les éléments sûrs. Vous allez préparer votre pain sans le vin. Amen. Le pain sans le vin, tu prends de la farine. Amen. Tu, tu essaies de faire comme si tu voulais faire la tarte. Amen. Hein, fais une crêpe, c'est une crêpe. Hein. Tu ne mets pas de, de levure dedans, tu ne mets rien. Tu mets un peu d'huile d'onction dedans, huile d'olive. Et puis tu mets au feu. Amen. Avec ta poêle, tu vestes dedans. Tu retournes, tu retournes. Tu fais ça le pain. Et nous allons manger ensemble. Avec tes enfants, avec ton mari. On va manger ensemble. Et vous achetez le jus de raisin pur. Amen. Si tu as aussi du vin, moi je ne bois pas le vin. Moi, c'est le jus de raisin. Mais si toi, dans ton église, vous buvez le vin, tu prends le vin. Sinon, tu prends le le, le, le raisin, le jus de raisin. Amen. Et tu achètes une bouteille d'huile d'olive et avec un verre d'eau. Amen. Tu apprends cela pour cet après-midi. Nous allons poser des actes prophétiques. Et nous allons prier. Et nous allons manger ensemble. Et nous allons remercier le Seigneur. Il y aura des témoignages. Amen. Il y a des bien-aimés qui vont donner des témoignages. Si tu es là que tu veux témoigner, Alléluia, tu vas aussi m'envoyer une invitation, me dire, maman, je vais témoigner. Amen, il ne faut pas avoir honte parce que si tu as honte, Dieu aussi aura honte de toi. Amen, le fait de ne pas témoigner, le fait de ne pas dire à Dieu ce qu'il a fait, ça aussi c'est un manque de brisement. Quelqu'un qui est brisé, il rend grâce à Dieu à tout moment. Il reconnaît ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Mais une personne qui n'est pas brisée, elle ne reconnaît pas. Amen. Mais nous, nous sommes des femmes brisées. Nous sommes des hommes et brisés. Nous allons rendre grâce à l'éternel. Nous allons le louer, le lever, les athées pour toutes ses grâces. Il nous a protégés, nous a gardés. Et il va continuer encore à nous garder. Il va continuer encore à nous protéger, nos familles et nous-mêmes. afin que rien de mal ne nous arrive. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur pour sa grâce infinie, pour son amour, pour sa puissance. Élève ta voix, Dieu au Seigneur, qu'il est bon. Dieu au Seigneur, qu'il est grand. Il est merveilleux, il est il est le Dieu trois fois saint. Il est le Dieu tout puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Béni le Seigneur pour ta vie. Il t'a donné la force de faire les quarante jours. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Nous l'avons pas mérité. Mais c'est pas la grâce. Remercie le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur. Adore le Seigneur. Exacte le Seigneur. Il est le Dieu bon, le Dieu compatissant. Oh, bénissons le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous avez les prières que j'ai postées. Amen. Faites les prières, s'il vous plaît. Faites les prières. Faites les prières. Il n'y a que par les prières. Nous avons notre sœur qui va nous rendre son témoignage. Amen. Nous avons, nous avons deux ou trois témoignages. Mais si tu es là et que tu veux aussi témoigner, ça va nous faire plaisir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Normalement, quand on finit un programme comme ça, on fait une offrande à l'éternel. Mais comme nous sommes en fin de l'année, alors tu vas préparer ton offrande pour la fin de l'année. Amen. Tu vas préparer ton, une bonne offrande pour remercier le Seigneur. Amen. Voilà. Tu vas préparer ton offrande. Si tu as une offrande maintenant, mais je préfère que vous prépariez votre offrande. Vous la préparez, amen, dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et vous donnez votre offrande pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de l'année 2020. Ça, c'est une offrande de remerciement. Amen. C'est une offrande où on fait l'offrande pour remercier Dieu. Bien-aimé, tu dois prendre une offrande, pas une petite offrande, une bonne offrande pour remercier Dieu. Il y a eu douze mois, ma soeur. Et pendant les douze mois, Dieu t'a protégé, toi et tes enfants. Dieu est ton mari, ton mari est toi. Dieu vous a protégé, vous a gardé. Il est loin de vous, tout sort de malheur. Alléluia. Donc tu vas prendre une bonne offrande. Tu vas dire merci à Dieu. Amen. Tu vas lui dire merci. Bien-aimé, tu vas bénir le Seigneur, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas lui dire merci, tu vas prendre l'offrande, tu vas prier dessus. Pendant ce temps, tu vas prier dessus. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur, oh ma soeur. Tu vas lui dire merci, tu m'as gardé mes enfants et moi. Mon époux, tu as gardé ma maison. Seigneur, comment ne pas te bénir? Tu vas remercier le Seigneur. Et tu vas faire ton offrande avant la fin de l'année. Je dis bien avant la fin de l'année. Et maintenant, pour rentrer en 2021, là tu vas faire une alliance avec Dieu. Je demande à toutes mes filles et à tous mes fils de faire de rentrer en alliance avec Dieu. Alléluia Vous allez rentrer en alliance avec Dieu. Je vais inviter l'homme de Dieu. Il va vous enseigner ce que c'est que l'alliance. Amen. Il va vous enseigner cela peut-être le dimanche Alléluia. Donc, vous allez rentrer en alliance, toutes mes filles. Si tu te dis que tu es ma fille, je suis en train de tes deux. Amen. Quand tu vas prendre cette alliance, cette offrande-là, si tu as ton église, Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu as ton église et que ton pasteur est véritable, un homme qui a la crainte de Dieu. Et que tu sais qu'en déposant ton offrande là-bas, Dieu va t'écouter. Tu donnes à ton pasteur. Amen. Et voilà. Si tu as un autre pasteur que tu connais et que tu as confiance en la personne, tu donnes. Maintenant, si tu te dis, ah, c'est maman Israël qui m'a parlé de l'alliance. Pourquoi je vais aller donner ailleurs? Amen. Je vais aller lui donner elle-même. Ça aussi, c'est aussi bon. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est bon. Le plus important, que ça soit agréable à Dieu. Le plus important, ma soeur, que Dieu soit dans l'affaire. Que Dieu soit dedans. Parce que Dieu, si Dieu n'est pas dedans, quels que soient les milliards que tu vas donner, il n'aura pas de suite. Alors moi, ce qui me préoccupe, c'est que Dieu soit dedans. Amen. Si tu donnes à Paul la pierre, c'est pas mon problème. Moi, je veux que tu sois béni. Moi, je veux que l'alliance dans laquelle tu vas rentrer soit une alliance perpétuelle. Une alliance qui te protège, toi et tes enfants à perpétuité. Que Dieu te bénisse. Si vous avez compris, je suis heureuse avec vous. Je veux votre bonheur. Je veux votre joie. Je veux entendre des témoignages. Je veux que Dieu vous élève. Alors je serai fier. Je dis ah ça c'est mon élève. Dieu l'a élevé. Je suis contente. C'est ça que je veux. C'est ça que je prie chaque jour. Je demande à mon Dieu de le faire pour toi, de le faire pour toi et de le faire pour toi. Et mon Dieu est le Dieu des alliances. Il a déjà fait. À toi maintenant de d'ouvrir de, 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 la porte à ce que tu puisses voir que Dieu te bénisse alors vous avez tout reçu partagez la vidéo partagez et de repartagez et commence à prier commence à prier Dieu est fidèle amen le jeu n'est pas encore terminé le jeu sera terminé lorsque nous allons prendre la scène scène ensemble donc nous sommes toujours dans la prière je vous ai posé la prière pour aujourd'hui. Continuez à faire la prière et que le Seigneur soit avec vous et que la main de Dieu soit sur vous et que la puissance de Dieu soit en vous et que le sang de Jésus vous couvre et que le sang de Jésus vous rende invisible. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur pour ces 40 jours de jeûne et de prière. Merci de ce que tu nous as gardé, tu nous as protégé malgré les attaques, malgré tout ce que le diable a fait pour me démoraliser. Seigneur, mais j'ai tenu et je ne peux que te dire merci, 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 mot, 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 tu es Dieu. Dieu. Tu mon Dieu, tu es mon Dieu, tu mon Dieu, et je te bénis pour les filles que tu m'as données, pour les fils que tu m'as données, pour les soeurs que tu m'as données, pour les mamans que tu m'as données, pour les bien-aimés que tu m'as données. Je te remercie, Père, pour les enfants que tu m'as donnés, pour la famille que tu m'as donnée. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Je te les confie, Seigneur, afin que tu les bénisses, afin que tu les élèves, afin que tu les fasses propulser. Je te bénis pour leur vie, pour leurs enfants, pour leurs époux, pour leurs épouses, pour leur ministère. Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. amen. Nous allons partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je vous aime. À tout à l'heure, à 16 heures, à 15 heures. Soyez bénis pour les États-Unis, je ne connais pas, mais nous commençons à 16 heures et de Paris. Soyez bénis. Apprêtez tous les éléments et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur moi. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci, merci. Je vous aime. Je vous aime. Et nous sommes ensemble. Et le Seigneur est avec nous. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Et nous ferons la guerre, mais nous ne nous vaincrons pas. Nous sommes là. Nous sommes là, car nous avons choisi la bonne part. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.